Oh, il y a un peu de place, mais pas très peu. D'accord, donc ça fait 5 fois que vous participez, c'est la cinquième année que vous participez à ces 24 heures. Bon, ça vient d'où votre passion pour ça, c'est la vitesse, c'est quoi C'est la vitesse, l'adrénaline. Moi, je suis passionné de bateau. J'ai eu la chance quand j'avais 12-13 ans d'avoir le meilleur ami de mon père. J'ai eu 24 heures pour le ministère de la Défense cette fois-ci. Fait qu'on a eu un prototype complet avec un moteur italien, ce qui n'était jamais arrivé en plus de 35 ans de compétition à Rouen, avec un proto qui a été premier TB850. J'ai fait une formation de designer maquettiste, ce qui m'a permis de modifier tout le bateau, c'est-à-dire qu'il y a très peu de bois. On a laissé du bois sous le bateau pour pouvoir avoir un bateau assez élastique. Tout le reste est en carbone, très allégé, ce qui fait que c'est un bateau qui atteint 350 kg tout mouillé, on va dire. C'est léger. Hein. Oh, c'est jamais d'un. Mais c'est vraiment. Là pour l'instant c'est du petit moteur, c'est un 850 cm3. Et la préparation? Préparation, un peu de footing, puis beaucoup d'assouplissement pour les épaules, puisqu'on est harnaché vraiment d'un bout à l'autre. Et un peu de piscine pour apprendre à faire de l'apnée. Ça peut servir. D'accord. En étant si le bateau se retourne. Je l'ai fait l'année dernière, j'ai fait un tonneau complet dans un virage et le bateau est resté sur le dos. Donc là, on a attendu que le bateau se remplisse pour pouvoir s'envoler. C'est pas plus mal. Par contre, c'est vrai qu'au niveau du rythme cardiaque, en endurance, ça va encore. Moi, j'ai fait la course quand j'ai fait épiner en VRS. Donc ça tire énormément sur les bras. Sur les bras. La pédale, au bout d'un moment, on la sent même plus. Ça fait énormément mal aux jambes. Pour ça que tout est. Ah oui, parce que vos muscles tétanisent. Tout est tétanisé pendant une heure dans la même position. C'est vous-même qui recherchez. C'est moi qui trouve les fonds et c'est moi qui fais le bateau. Et j'ai tout transformé et tout est en double. Là, cette année, pourtant, c'est la deuxième année qu'on l'a. On a regardé au nom où on a bossé dessus, donc entre 2 et 4 personnes, 1000 heures de travail. Ouais. Donc nous, les dernières. Il vaut mieux que ça soit fermé. L'année dernière, vu le temps qu'on avait eu, et vu le temps qu'il prévoit cette année, il pleuvait énormément. Et les autres pilotes étaient obligés d'ouvrir leur casque intégral. Ils ne voyaient plus rien, trop de buée. Que nous, avec ça, les gens couvrent avec des casques de rallye, donc beaucoup plus légers pour les épaules. Et au moins, comme on est d'entrée d'air l'autre côté, sur les côtés, on n'a pas de buée à l'intérieur. Donc même s'il pleut, on est bien. Et même porter un casque intégral en plus. Non, c'est que des jets, donc style Sparco de rallye. Ouais. Pour en cas de retournement, il y a un détendeur dedans pour pouvoir respirer en cas d'enfournement. Et l'enfournement, c'est en cas de retournement complet ou de sous-marin. Ça permet de se fermer avec une clavette sous le casque. Et j'ai vu un pilote une fois faire un test en piscine. Et avec la mousse qui a gonflé, c'est devenu un aquarium dans le casque. Là, le système d'accroche des câbles, des élingues au-dessus, c'est pareil, ça avant, les gens les laissent passer en plein milieu des tubes. Donc c'est fixé autrement que là. Hein. Et ça, en cas d'encastrement, ça éclate. Là. Et depuis cette année, ici aussi. Vous voyez, quand vous les enlever. Donc vous, tous vous les avez coupés pour qu'ils puissent se briser. Voilà, pour qu'ils puissent se briser. Donc on les a coupés, on a fait un moule, on a découpé. Et nous, on les fabrique nous-mêmes. Donc moi, comme c'était mon ancien métier, je le fais moi-même. C'était quoi votre métier? J'étais designer maquettiste. Ah ouais, ça tombait en plein dans votre spécialité. Donc on a tout modifié, ce qui fait que l'avantage, c'est qu'on a 3 années d'avance, 6 points d'avance. D'accord. Donc en cas de problème... Donc, ça veut dire que vous en cassez pas mal. Combien? 150 000. En faisant tout nous-mêmes, en ayant le matériel d'avance. Donc on imagine le prix valeur marchande, c'est énorme. Ça n'a pas de prix. Je ne sais te dire ce que ça peut attendre. Je ne sais pas. On attend pour la préparation de matériel, j'ai la chance d'avoir l'école de police, mais pas de 800 mètres carrés. On est fait au CNCF. C'est sympathique. Ah, mais les gens voient les bateaux qui tournent dans rond, au bout d'un moment, ça les gave. Ce qu'ils veulent, c'est voir un accident. Ça paraît aussi un peu logique, au bout d'un moment, ce qu'ils veulent, c'est du spectacle. Mmh. Les gens, quand il y a un Grand Prix de Formule 1, ils attendent que la Formule 1 sorte du circuit. Au bout d'un moment, là, ça va pousser. Là, ça pousse. Et Elbeuf était aussi un bon terrain, mais on n'a pas l'autorisation pour l'instant de remettre à l'eau à Elbeuf.
À Elbeuf, on faisait des manches de vitesse et des manches de 25 minutes. Là, ça devient très physique.